Salut tout le monde, c'est Alexandre Lucien FR et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Gamma XX Vol. On est par micro donc vous ne pourrez pas l'entendre. Donc on est en transit, on a fait le bug, l'arme secrète qui est dans le transit. Donc on a rassemblé les 5 pièces et on va vous montrer les avantages et les désavantages de l'arme secrète. Donc là, l'arme elle se recharge que quand vous marchez, donc on peut pas courir parce qu'elle est trop lourde l'arme, donc on peut que marcher pour la recharger. Donc là, vous voyez, là je marche et le compteur et ben, il va plus vers le vert. Je vais attendre qu'il soit au maximum. Voilà, là il est presque au maximum. Ah ouais. Donc là vous voyez, c'est un peu un aspirateur à zombies. Vous avez vu comment le compteur il est passé au rouge, parce que je l'ai trop utilisé d'un coup. Donc ça fait que là je suis obligée de remarcher pour recharger. Donc là vous voyez, je l'ai détruite, donc j'ai fait exprès, c'est pour vous montrer. Regardez, là il y a des pièces qu'on met par terre. Donc quand vous l'utilisez trop, voilà ce qui se passe, elle se détruit. Et il y a des pièces par terre. Donc Gamma, regarde s'il y a des pièces. J'en ai ramassé une. Moi. Ah. Donc là on va aller là. C'est juste pour vous montrer. Voilà. On va pas la construire toute entière, mais c'est pour vous dire que comment un peu la machine marche. Donc déjà elle est super puissante, je sais pas si elle est efficace dans les grandes manches, dans les manches 30 ou 40. En tout cas, ouais, oui, ça par contre elle marque pas de points. C'est comme les tourelles de défense dans les objets à construire, c'est comme les boucliers anti-zombies, on peut pas. Donc là il y a deux pièces qui sont restées sur place où l'arme s'est détruite. Donc après il faut aller les rechercher où on les trouve dès le départ en fait. Donc voilà, c'est pour c'est la fin du petit tuto de l'arme secrète en transit. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker.